Passé les 30 heures de jeu, on avait évidemment énormément d'animaux maintenant. On a tout le monde, on a tous les animaux. Si vous n'avez pas suivi la dernière fois, nous avons tous les animaux. Tintin, chargement en cours. Alors là, c'est la journée où j'ai débloqué la serre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, est-ce qu'il va pleuvoir? Demain, il fera beau. Est-ce que les esprits sont un peu agacés? Très bien. Et vivre à la ferme, vous regardez vivre à la ferme, vous allez trouver des graines d'arbres tout en coupant du bois, vous pouvez les planter dans le sol et un nouvel arbre poussera, faites preuve de créativité. Ouais, ça, on ne le sait que maintenant, en fait. Hein. Je vais faire une triade aujourd'hui, j'ai envie de sortir un peu de la maison. Bah, bisous. Écoute, des gros bisous. Ah, alors. Salut, Chichayu. Tu as l'air en pleine forme, la ferme est superbe. Ah ouais, elle est magnifique, hein. Stop me draguer, pardon. Donc tu vis ici depuis un certain temps maintenant et je suis sûr que tu as déjà acheté du tissu, n'est-ce pas? Eh bien, sais-tu que tu peux utiliser des tissus pour confectionner toutes sortes de vêtements, il suffit d'avoir accès à une machine à coudre. Et j'en ai justement une à la maison, n'hésite pas à passer une voir pour t'en servir. Vous pouvez maintenant accéder à la machine à coudre d'Emily. Oh, pouvoir crafter des vêtements. Pour commencer à créer des vêtements, tu auras besoin d'un morceau de tissu et d'un objet secondaire. Expérimente un peu et décide quel style tu aimes le plus. Quel intérêt. Bonne nuit à ceux qui s'en vont. On a quoi? Apporter à Emily une améthyste. Ah oui, c'est vrai. Trouver la silhouette obscure. Oui, ça, on n'a toujours pas trouvé. Ni le panier. On n'a toujours pas trouvé le panier, ni la silhouette obscure. Quel enfer. Alors, attendez, parce que je sais plus. J'ai plus ma morning routine, là. J'ai pas joué à Stardew Valley depuis, genre, limite une semaine. J'ai perdu ma morning routine. Demain, c'est la révolution. C'est vrai. Demain, on sort tous. Merci, Nagrom, pour les 16 mois. Des bisous. Alors, attendez, parce que là, pour ceux qui n'ont pas suivi les dernières fois, vous allez être étonnés, voilà. Il y a un peu beaucoup d'animaux. Ce qui a l'air de bonne humeur, on est content pour lui. On a des lapins, on a des canards, on a des poules, on a tout le monde quoi. Mais est-ce que ouais, on galère à les monter en fait parce que c'est l'hiver et du coup ils sont cantonnés à rester dedans avec un radiateur. Ah, et mon silo, c'est bon, le silo, il sera jamais construit là, qu'est-ce qui se passe? J'avais fait exprès de demander un troisième silo et j'ai l'impression qu'il est buggé. J'ai l'impression que j'ai un silo buggé. En construction. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Waouh! Mais du coup, je peux planter tout là. On peut pas mettre beaucoup. Attendez. Faut que je calcule. C'est du combien par combien? 5. C'est du 7 par 7. 1, 2, 3, 4, 5. C'est du 5 par 7, 35. On a que 35 places. C'est un jour des ventes, là? Ah oui, c'est possible que ce soit un jour des ventes. Ah non, c'est combien? Pardon, c'était 10 en bas. 10. Non, my bad. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai compté? Attends, pardon, j'ai pas compté. Ça, c'était quoi? C'était 12, là, en bas. C'était 12 et 10 en haut. On a 120 cases. Oh, j'ai compté avec le cul. Festival des glaces commencera près du ranch de Marnie. Ah, c'est vrai que c'est un jour d'événement aujourd'hui. C'était du 12 par 12? Attends, 2. 2 et 3, merde, je fais de la merde. Non, là, c'est 5 et 5. C'est 10 en hauteur et 12 en largeur. 10 en hauteur, 12 en largeur. On est sur du 120. Je sais pas comment j'ai coûté 7 en bas. Je sais pas comment je me suis démerdé pour compter 7 en bas. My bad. Près de la grange de Marnie. Non mais attendez, parce que moi j'aimerais acheter des trucs d'abord. J'aimerais acheter des trucs d'abord. Ah, je sais pas ce que j'ai fait, hein, my bad. Je sais pas comment j'ai compté 7. En bas. Ah, c'est vrai que c'est full vert de terre, là. L'hiver, j'avais oublié cette histoire. Tu pourras trouver Crobus dans le buisson à droite de l'aire de jeu de la ville. Bien vu. Merci pour le backseat. La porte est verrouillée. Ah mais parce qu'il y a les ventes, du coup ils sont tous pas là quoi. Ah mais les emmerdeurs. Putain, je perds une journée là.
Avec des arroseurs auto, ce sera cool. Hein. Je pense qu'on va arroseur auto. Le problème, c'est que si tu arroseur auto... J'ai prévenu Eterna, bien sûr. Le problème, c'est que si tu arroseur auto... Tu perds des places. Mais il y avait le droit au... Mais c'était un 30k pesetas, le backseat, là. Mais... Pourquoi il y a eu un timeout? Il avait le droit. Non, mais on va setup les arroseurs auto, je pense. Mais surtout qu'on a de quoi faire des arroseurs 24. Bon, allons à la grange de Marnie. Hein. Puisqu'apparemment, le jeu veut que je fasse des events. C'est parti. Oh merde, 34 pesetas de backseat pour dire c'est honteux, quoi. Oh, elle est là! Yama Waifu qui a fait des sculptures de glace. Oh, de la glace, c'est quelque chose de superbe à sculpter, mais tellement éphémère. Qu'est-ce que je dois foutre à ce festival? SPP qui prend dans le tas, paf. Ah, on peut pêcher? Début festival des glaces! Le concours de pêche sur glace et le clou du festival, nous avons amélioré ce lac gelé, la mort remplie de poissons, faites-moi savoir quand vous serez prêt à participer à la compétition. Veux-tu participer au concours de pêche sur glace maintenant? Oui. Fais voir. Fais voir la pêche sur glace là. Bien, il est temps de commencer le concours de pêche sur glace de cette année. Mais attends, moi je suis pas devant un trou là. À tous les concurrents, votre objectif est d'attraper le plus de poissons possible en 2 minutes à l'aide de canapé chouani. Je vais attraper vos poissons et les trouver dans la glace juste ici. Tout le monde est prêt? Et c'est parti! Les bâtards! Oh, c'est Rigade, y'a rien. Y'a que dalle. On voit pas si les autres ils pêchent là. Parce que moi ça mord, mais j'arrive pas à savoir si les autres ça mord ou pas. Ah oui, on les voit. Ils ont l'air trop chauds. Ils ont l'air vraiment beaucoup trop chauds quoi. Ta-da-da-da-da-da-da. C'était pas un poisson ça, j'ai pas de chat. Allez! Putain, ça mord pas quoi. Non. Quelle erreur. Quelle erreur, j'étais sur un bonus parfait quoi. Tududui. Mais là, normalement, il y avait Léa, mais comme je suis marié avec elle, elle est pas là. C'est ça le bail. Normalement, elle participe à la pêche. Je savais pas que c'était une pêcheuse. Je savais pas qu'on s'était si bien trouvé, quoi. Mais quel pêcheur exemplaire, quoi. Quel génie. Oh non! Oh non! Si, elle est en haut. Ah, normalement, elle participe. C'est dégueulasse, elle devrait pouvoir participer, en vrai. Ah, il compte. Oh, il compte. Putain, s'il y en a un qui en a un de plus, ou égalité, je me la coupe, quoi. Je l'avais, le dernier, là. Je pêchais deux algues, en vrai. Waouh, ça fait beaucoup de poissons. Oh, cette odeur. Et maintenant, voici le gagnant du concours de pêche sur glace de cette année. Chichayou avec 7 gros poissons visqueux. Voici votre prix, félicitations. J'ai gagné une casquette de marin et du matos de pêche, dont je me branle. Assure votre prise permettant que la jauge de pêche reste accrochée à votre prise, fonctionne mieux sur les poissons lents et faibles, augmente les chances de trouver des trésors lors de la pêche, cependant les poissons ne raffolent pas du goût. Ouais, trop, ok, de la belle merde, quoi. Merci beaucoup.
Eh bien, le festival des glaces, c'est d'aller toucher sa fin. Merci à tous d'être venus. Relâchons maintenant ces pauvres poissons. Ta-ta-ta-ta. J'arrive pas à croire que j'ai gagné. Eh bien, je pense qu'il est temps de rentrer à la maison. Ah non, mais il va... Voilà la journée. Mais la journée gâchée par le festival de pêche, quoi. Tous les persos ont la voix de Monsieur Krabs. Ah non, il y a que lui, hein. Il y a que lui. Hein. Attends. On peut pas mettre l'iridium là-dedans. Ok. Est-ce qu'on peut mettre un minerai d'iridium? Non plus. Donc, bah, on continue avec les diamants, en fait. Et j'aurais perdu un diamant dans l'affaire, quoi. Oh là là, on m'avait mal backseat. On m'avait mal backseat. Bravo. On m'avait mal backseat. On m'avait backseat, on m'avait dit, mais plutôt l'iridium. Bah voilà. Bravo. Vas-y, tout ça je vends, tout ça je garde. À quoi elle ressemble la casquette de marin là? Elle est bien, mais on perd le côté Bob Ross. Donc non. On va la garder de côté, mais c'est un nom quoi. C'est un nom catégorique. Alors attendez, parce que. Combien ça coûte déjà de craft des arroseurs en iridium? Ça coûte un lingot en or, une pile, un machin. Deux arroseurs en iridium. Ça couvre déjà 48 cases, quoi. 48 cases sur les 120 disponibles. Sur le poney, la casquette... Ah, mais il a déjà un chapeau un peu plus joli, le poney. Monsieur poney, il a une jolie casquette. Un chapeau sur le chat, je sais pas. Sur le chat, je pense pas, quand même. Ah, c'est dans le patch note le... Ah merde. Ah bah si c'est dans le patch note, je dis rien. Ah, les arroseurs automatiques sur les bords en bois, ça suffit pas en fait. C'est bien, mais bon. Ça suffit pas. Il se fait tard. Tu m'emmerdes. D'ailleurs, le tamis en cuivre... Je vais le ranger parce qu'il sert à rien. Ah, j'ai un truc que j'ai oublié de faire. On avait dit qu'on allait les déplacer sur la plage, là, les trucs ici. Ouais, parce qu'on, je pense qu'on a pêché tout ce qu'on pouvait avoir là-dedans. Je pense que j'ai tout eu. On réessaye une dernière fois. Peut-être des trucs rares, mais je pense qu'on a tout eu. Backseat, un truc purement cosmétique. Bon, allez, vas-y. Si c'est purement cosmétique, quoi. Parce que souvent... Ah, ça, je l'ai pas... Ça, vous l'avez pas vu, ça. Je devrais garder l'argile. C'est toujours utile, l'argile. Et une bonne nuit, hein. Quelle journée de l'utilité absolue. Merci pour la team chat. Personne n'a backseat le panier de Linus encore. On a backseat la quête de l'ombre. Le tamis en cuve, c'est un chapeau aussi. Mais il disait que la vie est trop courte pour mal manger. Heureusement, nous vivons dans l'une des meilleures régions pour les fruits et les légumes frais. Ah, bah, donne une salade. Tiens, je t'ai préparé une bonne salade. Je suis surprise que t'aimes encore en manger avec les quantités que je te sers. Tiens, une salade. Oh, c'est exactement ce que je voulais. Je pense être marié à un robot, quand même. Hein. Je pense que là, Léa, robot confirmed, quoi. Couvrez-vous, mes amis, il va neiger demain. Les esprits sont un peu perturbés. En plus, il a pas lu. Si, j'ai lu que c'était un chapeau, mais... Oh, trop bien, ça. On va tellement tout vendre. Petit chat, tu vas avoir de l'eau. Tu... Hop.
Ah, si j'oublie l'anniversaire, je pense qu'elle kiffe pas. Hein. Kiffe pas sa vie. Hein. Il allume et il s'en fout royalement. Ah oui, le coup du chapeau, je m'en... s'en branle. Hein. Le coup du chapeau, on s'en fout. Hein. Bah du coup, c'était en effet un backseat faisable parce que c'est cosmétique. Oh! Oh la Doc Phaser! Comme ça. Oh la Doc Phaser, comme ça. Jour 1 du canard, quoi. Il a un demi-cœur, il me file une Doc Phaser, quoi. La plume de canard. Je croyais que c'était rare, moi. En fait, c'est facile. Oh, trop d'animaux, trop d'animaux. Vivement les truffes, hein. Cette vieille chatte. Quelle vieille chatte. Quelle vieille chatte. Du sirop d'érable. Parfait. Ah, mon silo est construit. Alors, attendez, parce que j'ai un truc à faire avec ce silo. C'est pas si rare que ça, on est d'accord. Il y a un cochon du Zorander, oui. Soon, il va choper l'œuf de dino. Mais je l'ai pas déjà, l'œuf de dinosaure, il me semble. Hein. On peut pas voir ce qu'on a déjà donné au musée. Pas vendre la Doc Phaser, mais j'ai rien à vendre, là, en fait. On a rien à vendre. Quand on est con, comme une chaise. Hop, des omelettes, parfait. T'as raté 9 jours de Stardew. C'est dur, en vrai. Ah oui, la Doc Phaser, ça doit pas être très rare, en vrai. Sirop d'érable. Je les mets où, les sirops, déjà, là? Ouais. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais reprendre... Alors, attendez. Normalement, j'ai 240, voilà. Pour aller mettre dans le silo, là-bas, là. Comme ça, on est tranquille pour l'hiver avec tous nos animaux. Ok, 240. 537 sur 720. Là, je pense qu'on finit l'hiver juste avec ça, normalement. Ça a commencé il y a longtemps. On a commencé vers... il y a 10 minutes, je dirais. Il y a 10 minutes, on a dû commencer. Mais il me semble que j'ai déjà l'œuf de dino. Hein. Je sais plus. Tes élèves seront bien en forme demain. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut lui acheter des bonnes graines, lui, graines à vendre, là? Mais il vend rien! Non mais... J'ai une serre, mais je peux rien en faire! C'est une blague? Catalogue, donne un accès limité au papier peint... Ah oui, c'est de la vite. Mais... Allô, c'est l'hiver. Ah oui, non mais... C'est dégueulasse! Et vu chez Jojamart, quand vas-tu aujourd'hui, le service d'adhésion est maintenant disponible avec un abonnement Joja, tu pourras améliorer la communauté avec l'aide de notre personnel dévoué, moyennant des frais, bien sûr. Encore une petite chose, le maire Lewis nous a promis que si quelqu'un d'autre adhérait à notre programme de fidélité, il nous laisserait transformer cet ancien centre communautaire en entrepôt pour Joja, n'est-ce pas merveilleux? Coup d'adhésion, 5 PO, et bien sûr, tu adhérais à notre programme de fidélité? Oula, absolument pas. Si je fais ça, je suis absolument dans la merde par rapport au Community Center. Ah, mais fais chier, en fait... En fait, je suis vénère parce que la serre, il aurait fallu la voir avant l'hiver. C'est-à-dire là qu'on est dans l'hiver, on peut rien faire, enfin on peut rien acheter en graines. Il aurait fallu acheter les graines avant que l'hiver arrive. C'est-à-dire, mettons, on a... Oui, mais non. Et comment ça marche la serre? Parce que si t'achètes des graines qui sont censées pousser en automne, comment fonctionne la serre en fait? Je comprends rien la serre, là, putain. Casse les couilles. Plante du Joja Cola, ça va finir comme ça. Hein. J'aime plus ce que je voulais faire. Ah oui, si, je voulais trouver les... Le buisson, là. Le buisson ardent. Là. Tu veux des graines chez Joja? Il n'y avait rien. Ça vendait rien. Anniversaire de Sébastien. Ah bah tiens, on va faire un plaisir, on va bien le louper. Anniversaire de Harvey. Ah, Léa, c'est le 23, ça va, on a le temps. J'ai besoin de larmes gelées pour mon dernier projet.
On m'a dit près des jeux pour enfants. Putain, mais le mec qui m'a backseat, c'était quoi son message là? C'était de la bite son message. Ah non, peut-être pas en fait. Il m'a dit près des jeux pour enfants à droite. Ah oui, il avait raison. Quel gros backseat. Ah, tu m'as eu, je suis désolé. Prends, prends, ça avait l'air si précieux, je pouvais pas m'en empêcher. What is it? Vous avez obtenu la loupe, vous avez maintenant la possibilité de trouver des notes secrètes. Ces notes révèlent des informations rares et utiles et peuvent être consultées depuis l'onglet collection. Hein? La loupe? Ça a l'air incroyable, la loupe. Il aurait fallu être prévoyant. Bah ouais, mais le problème, c'est que la serre, je l'ai eu ultra tard, moi. Ouais, donc je suis vénère, en fait. Faut qu'il pensait que j'allais pouvoir planter des trucs. C'est là tout le panache de la deuxième fois que tu joues. Ah, la deuxième fois que tu joues pour essayer d'avoir... un... la caravane vend des graines. Ah, le traveling cart. Oui, mais le traveling cart, il vend des graines une par une, quoi. Bon, bah, on va retourner à la mine, hein. J'étais hypé, mais en fait... on a déjà cet artefact. On va aller dans le désert, hein. On a rien de mieux à faire, hein. Dans le désert, ça vend des trucs, quoi. Dans le désert, ça vend des trucs, mais... Est-ce que c'est très intéressant? Hein? Oui. Ça va finir l'hiver à pêcher. Non, non, mais on a plein de trucs à faire en hiver. On doit aller chercher de l'iridium à l'infini. On est en mode full minage, quoi. Oh non, je suis pas passé par là. Oh putain, je le sais pourtant. Je le sais pourtant, tu le sais. Ok. On pourrait pêcher le trou d'eau là, mais ça n'a pas d'intérêt. Cassons-le. Donjon du désert, on est descendu 30 par là. Ça repasse pas par là. Merci Jikan pour les 11 mois. Des bisous, merci. Est-ce qu'on a des trucs importants sur nous là? Pas tellement. On a beaucoup de trash tiers sur nous. On va aller vite fait dans le... Non. Oh, le cheval, j'en peux plus. Hein. C'est vraiment nul. Hein. La Duck Feather. Ah oui, j'ai la Duck Feather. C'est vrai que sur... Après, j'en aurai d'autres des Duck Feather, mais bon. On peut aller la donner vite fait. Le cheval, c'est trop bien. C'est... Ouais, bon. C'est bof, quand même. Hein. Il me manque si peu rien. Enfin, il me manque le chou rouge. Il me manque la truffe et le pavot. Et il me manque les pommes. Oh, mais les pommes, putain. Oh, les pommes. Oh, les pommes, faut que je chatte. On a tellement planté le pommier au pire moment. Faut tellement pas se permettre de rattendre jusqu'à l'automne prochain, quoi. Une pomme, j'en ai une, hein. J'ai une pomme, hein. Si je pouvais en avoir deux de plus. Mes pommes, elles sont ultra tristes, en vrai. Vas-y, emmène-moi, là. Envole-moi. Ok. Donc, lui, à droite, il vend pas ce qu'il faut. Mais en bas, à gauche, la deuxième waifu... Si on n'avait pas dragué Léa, on aurait dragué elle, je pense. Normalement, ici, ça vend des trucs. Mon petit ange. Non, mais ça va, non? Calme-toi bien. À planter en été, il faudra 13 jours pour arriver à maturité. À planter en automne, il faudra 6 jours. Oh, mais attendez, là, il y a un problème. Ne pousse qu'en intérieur. Il faut 12 jours pour arriver à maturité. Produise des fruits tous les 3 jours. La rhubarbe. Non, mais là, il y a un problème.
Si je prends de la carambole, ça pousse? Ça pousse ça ou pas? Dans une serre, oui. Oui, grâce à la serre. Non, parce que là, en fait, moi, je me suis dit, la serre, ça fait tout pousser. Mais quand tu vois que la graine de cactus, elle pousse que dans la serre. Non, mais là, je vous pose la question, ça m'intéresse. Genre... On avait dit 120, c'est ça? C'est l'intérieur d'une serre. Tatototototot. 13 jours. Le but de la serre, c'est d'avoir tout toute l'année. Ouais, mais ça, c'est dans la théorie, tu vois. Bon, attendez. On a 48 places. Attends, on va théorie craft. On a 120 places. D'accord, 120 places. 120 places, sauf que on a deux arroseurs qui prennent 24-24. 24-24, ça fait 48, donc ça fait 50 places de prise pour 48 graines. 48 graines. Après, c'est 8 par arroseur. Sauf que il y a les patterns de placement. Donc si on fait 24-24, est-ce qu'on va vraiment arriver à tout mettre en arroseur automatique? C'est pas dur. C'est pas dit. Sûrement, mais c'est pas dit. Il reste 50 places, donc soit il reste 70 places. Et chaque arroseur automatique, ça fait 9 places. 70 divisé par 9. Quoi? Non, c'est pas ça que je veux voir. Ça ferait, ouais, il faudrait 8 stacks de 8. Ouais, en gros, il faudrait que j'achète 64 graines plus 48. Des épouvantails? Bah non, c'est en intérieur. C'est en intérieur. Quand on prend un jeu, tu perds un peu ton âme devant ce contenu. Je pense qu'on achète 112. Non, je pense qu'on achète 110 et c'est bon. Pardon. Achetons-en 110. Mais ça coûte cher. Coûte cher la carambole. Coûte trop cher la carambole, putain. Bah, ça a l'air de rapporter masse, ouais. Le plan opticaire. Non, mais c'est pas grave. On va se démerder, hein. Là, je vous ai rien demandé. Là, pour le coup, je vous ai rien demandé. Je vous ai demandé est-ce que ça pousse. Ça, je vous ai demandé. Là, je vous ai rien demandé. Attends, mais... Mais elle marche pas, la loupe! Ah si. Parce que je me suis dit, je vais avoir des panneaux spéciaux, mais en fait, non. Vent, 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 vent. Let's go to the serre. Le fruit de cactus et la coco, mais on a déjà tout ça. Ok, allons dans cette serre là. Ah mais attends, il me manque un truc. Couteau de cuisine, couteau. J'ai médité pour chercher un sens à ta vie. Elles sont où? Pouk. Alors c'est du 24-24. C'est 24 cases, donc comment ça fonctionne? Ça ferait 8. Attends. Mettons que je le pose comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc c'est une zone de 2 autour, en fait.
Genre ça marche. Je pense. Attends, mais ma terre, elle est plus retournée, là? Quel scandale! Quel scandale. Des gens vont être trigger, tant pis pour eux. Oh merde. Je pensais pas qu'un coup de bêche, ça allait... Ça allait tout baiser. Perte de place sur les côtés. Oh, mais Osef, en vrai. Si on avait que de l'iridium, ce serait faisable. Là, je prends une de me prendre la tête une journée là-dessus, tu vois. Deux cases de radius. Alors, attends. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Et là, ouais. Ah oui, là, c'est chiant, par contre. Là, c'est chiant, mais... Soit on fait toute une colonne comme ça. Ah, ouais, on aurait dû faire autrement. C'est vrai qu'on aurait dû faire autrement. Tant pis. Là, mettons que je fasse comme ça... Ouais, là, c'est chiant. Voilà, c'est pas ouf. Ouais, là, on va y perdre beaucoup. On va y perdre pas mal, mais bon. Ça, ça arrose tout automatiquement. Et là, de la même façon... Ah, j'étais pas... J'étais pas trop mal avec mes calculs, c'est pas ouf, mais on n'était pas trop mal. Bah sur les bords en bois, ça aurait pas changé grand chose en fait. Sur les bords en bois, dans tous les cas, après j'avais une ligne qui était pas arrosée automatiquement quoi. En vrai ça va, bon de toute façon faut que j'arrose aujourd'hui. Pas d'autres 24, non, pas encore. Un jour. En vrai, ça va, on perd quelques graines. C'est pas l'enfer. Hein. C'est pas l'enfer, sachant qu'à partir de demain, c'est full automatisé, on en a plus rien à foutre, on a pas besoin de venir voir, quoi. C'est beau. L'engrais, je le garde pour après. On en a vraiment beaucoup à faire, mais là, c'est pas ultra important, quoi. On pourra mettre full engrais en spring, et ce sera très bien comme ça. On va quand même repasser demain pour voir si tout est bien arrosé. Ça me paraît important. Il n'appartient qu'à moi de farmer comme un sale de l'iridium pendant cette période, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que pendant cette période, j'ai finalement eu plein de choses à faire. Pour l'instant, en hiver, on a eu tellement de trucs à faire. Je vends mes deux caramboles, m'en fous. Des jeux comme ça, on peut pousser niveau agriculture. Je sais pas.
Je pense que s'ils ont vraiment poussé, le gameplay aura rien à voir. Donc je sais pas. On pourrait refaire des trucs. Là. Alors attendez. C'est ouf le nombre d'arroseurs de qualité qu'on pourrait faire. Mais bon, c'est vrai que tout ce qu'on veut, c'est de l'iridium. J'ai rien d'autre à foutre aujourd'hui. C'est le 23, son anniversaire, on n'y est pas. L'améthyste, il me faut l'améthyste. Il faut absolument que j'aille miner. Hein. Il faut absolument que j'aille miner. Hein. Vivement le full iridium, bien sûr. Mais bon, ça demande du temps, quoi. Ça demande surtout du temps de minage que je n'ai pas encore, quoi. Bon, la météo, ça sert à rien de la lire. Les esprits sont d'une humeur normale. Reine des sauces, rediffusion. Bonjour, Cheyu, j'ai mis cette plante en terre dans un petit pot dans le jardin. Je m'en suis occupé avec soin, profites-en bien. Bisous, bisous, bisous. Wouah! 28 jours par saison. Bonjour les nanimaux. Vous allez bien les nanimaux? Vous avez passé une bonne journée? Allez hop, au chaud. Merci pour la team chat, c'est mérité. Bonjour les animaux. Le double point. Ah, il y a eu double point. Ah oui, j'avais pas vu. Ne vous inquiétez pas, le prochain point. Le prochain point ne sera pas compté. Ne vous inquiétez pas. T'as déjà mis les puntos. C'est pas grave. Soit le prochain sera pas compté, soit j'irai enlever un point à la team. Si vous voulez, je vais enlever le point à la team en direct. Ne vous énervez pas, surtout. Oh, toutes ces omelettes, mon gars. Voilà, bah, trop métier va mis un point pour la team chat, on ne le met pas. Et tout va bien. Et calmez-vous. Tintin. On n'a pas vu d'ailleurs Roscoe. On oublie Roscoe là. Mmh. Le problème de Roscoe, c'est qu'il m'aime déjà, quoi. Alors. Oh, c'est beau. C'est magnifique, cette serre, incroyable. Si on avait eu le courage de tout arroser à la main, c'était pas mal aussi. Bon, on doit aller dans le désert, sauf que ça commence à 10h du mat. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Putain, Marnie, on a une bonne relation avec Marnie, quand même. Regarde, j'ai bien bossé, hein. J'ai bien bossé mes relations. Ah, mais Sandy, elle est pas célibataire, donc en fait, c'est une waifu qu'on n'aurait pas pu draguer. Même si on n'avait pas dragué Léa et qu'on s'était réservé pour Sandy, tu peux pas. T'as pas le droit. T'as mis du lait dans ton omelette, eh bien c'est pas mal du tout. Bah, sûrement. Hein. Tu peux prendre tout ce qui vient de la ferme, vous mélangez, c'est bon. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait la vache? Elle fait du lait. Qu'est-ce qu'elle fait la poule? Elle fait des œufs. Bah tu mélanges tout ça, ça peut que être bon. Attends, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut branler en fait. Trouver le panier de Linus, la tentative de Clint. On pourrait tryhard en fait. Merci Kosulf pour le Twitch Prime. On pourrait tryhard et regarder comment on fait des bombes. La grosse bombe, c'est 4000 raies d'or, une essence solaire de... Ah ouais! Ah ouais! J'ai combien d'essence? Ah ouais! Essence solaire, j'en ai pas beaucoup, mais... Ah, je comprends à quoi ça sert. Merci beaucoup, Kozul. Bienvenue chez les Brasseurs. Merci pour le Twitch Prime. Très bien, je commence à comprendre à quoi ça sert. Parce que sinon j'emmène des pierres, avec les pierres on peut faire des escaliers des fois. Et ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il... Il était bugué. Ah, les escaliers, ça peut être pratique, quoi. L'étage où ça fait 15 ans que t'es là, tu mets un petit coup d'escalier, t'es bien, quoi.
Oh, j'ai eu une note secrète dans l'arbre, quoi. C'est quoi la note secrète? Elle est vieille et froissée, mais si vous regardez de plus près, vous pouvez distinguer les détails. Pour Ellie et Emily, j'espère que vous allez bien. Nous avons envoyé vos cadeaux préférés, un gâteau rose et des tournesols pour Ellie, ainsi que des pierres précieuses et de la laine pour Emily. Ah ouais, waouh! En fait, t'as les backseats dans le jeu, dans tous les cas. Du coup, genre, si je vais voir, genre, Ellie... J'imagine que maintenant, cadeau aimé, on a le gâteau rose et le tournesol. Ah, ici! C'est bien fait comme jeu, quand même, hein. Qu'est-ce qu'il est bien fait, ce jeu. Mais que de la merde dans les vers de terre. Ah, mais le jeu, il a le droit de backseat, ça qui est beau. Plantons des arbres. Après, on ira dans le désert. Depuis trop longtemps. Engrais de base. Engrais de qualité. Il faudrait pêcher la blinde pour ça. Tous ces engrais. Allons prendre le bus. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Vas-y, en cas de mort, on sera toujours content d'avoir ramassé ces merdes. Puis ça me donne des points en cueillette. Allez, vas-y, je vais être d'accord avec vous pour une fois. Par contre, je vais juste dégager mon cheval de la route. Oh, la mine, ça va très bien se passer, je le sens. Ça va très bien se passer. On adore cet endroit. Un verre de terre, là. Oh, il y en a plein. Oh, j'ai déjà le fossile de palmier. Mais j'ai déjà... J'ai déjà tout, en fait. On va boire une triple dose d'espresso, je peux vous dire... Voilà, on n'est plus là pour déconner, là. J'ai pas regardé les esprits. Ça se trouve, les esprits sont full vénère. C'est quoi, ça? C'est quoi? Y'a un truc bizarre. Ils étaient normaux, les esprits? Ah, j'ai regardé. Non, pas lui. Oh, le bordel! Ouah, le parchemin des nains numéro 3. Ouais, vous voyez, c'est déjà la merde, en vrai. Oh, j'ai pris les dégâts de ma... Je suis vénère. J'ai pris les dégâts de ma bombe. Tout ce qu'on veut, c'est de l'iridium, hein. Mais il faut aller assez bas dans les mines pour en avoir la blinde d'iridium, donc c'est chiant. Mon épée, elle met beaucoup de dégâts, mais... Oh, une améthyste! Exactement ce qu'il me fallait. Oh! Vous êtes tombé de 5 niveaux. C'est ça qu'on veut, hein.
Mais les dégâts que ça met, ça, mais putain, j'en peux plus. Je devrais pas me battre autant, en fait. L'arme, c'est le sabre vol... Oh, il y avait un trou, j'avais pas vu. Vite. Vous êtes tombé de 3 niveaux. Ah, c'est pas beaucoup. Oh, j'en peux plus de... C'est les essences solaires qu'il me faut. Qu'est-ce que j'ai loot, là? Une bague scintillante. Deuxième améthyste. En vrai, pour l'instant, on a un peu de la chatte. C'était bien la bague qui récupérait les loots, quand même. Hein. Enfin, le quartz, tant pis. Vas-y. Mais c'est vraiment le pire mob. Hein. Le mob qui te rush, là, le serpent, il fait beaucoup trop mal. Hein. On récupère plus les objets à 10 km, c'est chiant. C'était bien. Putain, mais tout ce qu'on loot, par contre, c'est insane, hein. On loot tout, mais sauf de l'iridium, quoi. Oh, le CC, pardon. Là, je regarde s'il n'y a pas un truc à voir là. Il y a toujours des trucs hyper intéressants à voir dans ce layout. Genre les champlars, là, ça se trouve, ça vaut beaucoup d'argent, ça. Oh, il y a un fire quartz aussi. Mais ramasse, enculé! Mais... Inventaire plein! Mais plein de quoi? Quelqu'un vous attend au niveau 100 dans la caverne de Tête de Mort. Ah bon? Ah bon? Non mais il y a des trucs comme ça dans le jeu? À côté de la mine de train, il y a un truc à creuser? Oh putain, il m'a brassé. Putain, il y a des trucs de ouf en fait. Je savais pas, moi. Il y a des trucs de ouf. Oh, je l'ai. Je l'ai one shot. Ok. The plot thickens. J'avoue, le plot est en train de devenir ouf, quoi. Quelqu'un m'attend. Non mais attendez. Atteignez au niveau 100 dans la caverne du crâne. Non mais ça a l'air beaucoup trop dur. Hein. En fait, pour la caverne du crâne, il faut venir avec des milliards de bombes. Tu craftes 1 million de bombes et tu viens et puis tu tombes dans des trous et puis ça passe, GG à toi quoi. Ça a l'air beaucoup trop difficile quoi. Putain, mais comment je peux avoir autant de choses sur moi, bague scintillante, aimer constamment de la lumière? Non, mais je peux les vendre, en fait, ça qui est chiant. Que je vire les trucs qui me servent à rien, là, finalement. Oh. C'est sérieux, ça? Il est déjà 16h20, putain, mais on a rien fait, on est étage 18, j'en peux plus. Pas beaucoup d'iridium, c'est normal, on n'est pas assez bas, en fait. On est vraiment pas assez bas dans la mine pour avoir beaucoup d'iridium, là. Oh, c'en est, ça, non? Oh oui, 3. 2 fire quartz.
perds trop de temps à farmer les minéraux. Ouais, parce que c'est utile, tu vois. Je veux dire, si je veux vraiment crafter beaucoup de bombes à un moment et faire un gros rush, j'ai besoin d'avoir plein de minéraux. Je perds du temps à combattre aussi, tu vois, enfin... Pour toutes ces améthystes qu'on a eues. J'ai jamais vu ce monstre, je crois. Ça fait de l'argent. La méga bombe, elle doit avoir une range de ouf, en fait. Qu'est-ce que j'ai sur moi qui sert à rien, là? Vas-y, ça... Jarter ces merdes. Oh. Ah non, pas eux. Quoi. Oh non! C'est vraiment les pires, hein. Cross-save PC Switch existe pour Stardew, il me semble pas, non. Oh. Le trou de la chatte. Vous êtes tombé de 5 niveaux. 28. Mais eux, ils sont pas drôles, en fait. C'est le problème, c'est qu'ils sont vraiment pas drôles, quoi. Que dalle. Vas-y, testons le craft. Ouais, mais non. J'ai déjà trop de merde sur moi, en fait. Oh. D'être tombé de 8 niveaux. Aïe. Ouah, 8 niveaux, quoi. Pardon. On n'a pas déjà le champignon. Ah, c'est, il est d'une qualité différente. Tant pis. Ah, 8 niveaux, là, on est au level 36, quand même. Hein. Level 36, c'est PB. Hein. Oh. Oh, quel plaisir. Level 36, commence à y avoir de l'iridium, quoi. Allez, encore là, redonne de l'iridium. 4 bois qui servent à rien. Faut que je les vire. Putain, les minerais de fer que j'oublie là. Aïe. Alors ça, c'est un étage chiant ça. C'est pas les bois comme ça que je virais, c'est les bois normaux. Ah, omelette. Vite. Ah, il faudrait la pioche en iridium, en fait. Ça, c'est validé. Oh. Oh, le bâtard! Il m'a foutu les boules! Il m'a filé de l'iridium quand même, hein? Oh, je suis vénère. J'aurais pu m'en filer un peu plus, quoi. Il m'a tellement foutu les boules.
enculé. Oh, je l'ai dème. Allez, un trou, fais-moi rêver, là. C'est tombé de 7 niveaux. Regarde-moi ça, PB 49. Putain, ça se trouve, au 50, il y a un truc de ouf. Ah, 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 à la queue le, tout le monde s'éclate. Il va bientôt falloir rentrer, là. Elle trouve la suite, là. Ah, mais étage 50, non, c'est tous les 20 qu'il doit se passer un truc. Ouais, voilà. Oh! 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 Non, dégage! D'autres là. Il y en a partout. Il y en a partout. Oh oui. Oh oui, il y en a partout. Oh. Oh, faut que je me casse. Non, 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 non! J'ai pas le temps pour toi, là! Fais gaffe, l'heure, ouais. C'est pour ça qu'il faut que je rentre, là. J'ai trop peur d'arriver en retard. Oh putain, tout cet iridium. C'est 2h du mat, t'as le time de ouf. Ouais, non, non, mais... On est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Petit café avant d'aller dormir. Alors, on a les totems de téléportation au désert qu'on peut prendre. On peut totalement essayer d'en prendre. Ce qui vous permettrait de venir au désert dès le matin, en fait. Les méga-bombes, très bien. Totem de téléportation désert, recette. Il faut 10 lingots en iridium pour ça. On a combien d'iridium? 31, mon dieu, mais ce plaisir! On a combien d'omnigéodes? 5. Ça ferait 3 totems de téléportation. Ou alors, on prend 2 trésors d'artefacts. Forgeron, pour ça pour vous, ces trésors contiennent souvent d'anciennes reliques et curiosités. Ce qui est pas trop mal. Note de Maru, pièce encore nécessaire pour la plus grande invention, lingot d'or, lingot d'iridium, tout un paquet de batteries, diamants, fraises. Ok, elle aime les trucs comme ça. Okay. Après, les totems, c'est bon. On va prendre 3 totems de téléportation. Mais après, c'est vrai que ce serait mieux d'avoir la recette, mais bon. De la merde. Pour avoir de l'iridium, faut venir tôt, hein, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à vendre? Topaz, les émeraudes. Ça se trouve, ça sert, tous ces trucs-là. Hein. L'améthyste, il faut que j'en garde une. Après, vu la vitesse à laquelle on les trouve, rubis. Qu'est-ce qu'on vend également? Un rouleau de parchemin jauni recouvert d'écriture du langage des nains. Il est scellé par une corde bleue. Je crois que je l'ai déjà donné à Gunther, sinon il me dirait pas ça. S'il l'avait pas déjà donné à Gunther. C'est vraiment très épicé, faites attention. Ça, je l'ai déjà donné à Gunther aussi. Une sève, on s'en fout. Les 2 bagues. Elles cassent les couilles, même si je pourrais aller les vendre. On peut pas les vendre ici, c'est chiant. Les 2 champignons violets, c'est vendu.
Ça, je sais pas quoi en foutre. Dans le doute, je vais le garder, le parchemin des nains. Parce que ça a l'air d'être plus que ce que c'est. Alors, les trucs comme ça, ça va là. Ça, ça va là. Tout ce qui a été looté sur des monstres, en fait, globalement. Firequartz, je garde. Minerai de fer, on fout ça là. Minerai de cuivre, on fout ça là. La géode, on garde. Les minerais d'or, on fout ça là. Les quartz, on garde parce qu'on va les raffiner. On garde le charbon, mais on va prendre celui qu'on a sur nous. La bombe, on garde. Le totem désert, on garde. Tac, tac. Parchemin des nains, ça faudrait le garder de côté. Ça, c'est à donner à quelqu'un. Ça, c'est à garder de côté. Le bois dur, c'est à ranger. On range le bois dur, on organise. Ça, on va le garder de côté. Et donc là, on a genre ça à raffiner. Et 3 fire quartz. J'ai envie de dire bonne nuit, hein. Bonne nuit. Bon, l'iridium, c'est useless. C'est vrai que l'iridium, c'est un peu de la merde. Très bien. Extraction minière, plus 1 compétence de pioche, numéro 7, fabrication, le cristallarium. Ah, on peut faire le cristallarium nous-mêmes. C'est que le totem, on va en garder qu'un seul. Putain, mais il y avait tellement d'iridium, là, trop saucé. Tellement d'iridium. Quelques centimètres de neige demain. Les esprits sont de bonne humeur aujourd'hui. Vivre à la ferme, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a quelques poissons que l'on ne trouve qu'en hiver. Les calmars et les morulingues. Le calmar peut être attrapé dans la mer en soirée. Les morulingues peuvent être trouvés dans l'eau douce toute la journée. Bien sûr, il y a des rumeurs au sujet de poissons extrêmement rares et uniques que l'on ne peut trouver que durant certaines saisons, mais je n'ai aucune information à ce sujet. C'est dommage, il y a que ça qui m'intéresse. Cette journée va être spéciale, je le sens. Ah bon? Pourquoi? C'est là que son anniversaire, j'avais oublié. Ah, désolé. Hein. J'avais pas de l'iridium. Si, mais pas beaucoup. Quartz raffiné, 9 en plus. 6 barres d'iridium. Avec 6 barres d'iridium. On pourrait refaire 3 machins. Sauf que ce qu'on veut, c'est améliorer notre pioche. On veut la pioche en iridium, en fait. Si on a la pioche en iridium, on est bien. Sauf que faire la pioche en iridium maintenant, c'est le 23 son anniversaire. Ça coûte combien de faire des méga-bombes, déjà, on a dit? Ah, c'est des essences solaires, hein, méga-bombes. Génère une puissance explosion, utilisez-la avec extrême prudence. Et ça, cristallorium, putain, il faut de la pile, 2 lingots, insérer une gemme de votre choix, cela en fera des copies. Ah ouais, mais attends, genre, c'est cher pour ce que c'est, en vrai. Combien de bombes, d'après toi, pour rush le level 100? Beaucoup. Rush le level 100, c'est chaud. Il faut masse bombe, masse escalier. Mais là, en vrai, mes minerais d'or, à part en faire, justement, des méga-bombes, je vois pas trop quoi foutre, tu vois. Des méga bombes, c'est cool. Les plus petites bombes, minerai de fer et charbon, quoi. Minerai de fer et charbon. Le truc, c'est que ça coûte cher en charbon, quoi. Mais bon, ça se tente. Les cherry bombes. Enfin, les cherry bombes, c'est plus petite encore, non? Petite bombe, minerai de cuivre, un charbon. Je sais pas. Ouais, les méga bombes sont assez stylées, quoi. Bah, c'est vrai qu'on pourrait faire celle-là aussi. Ah, c'est pas trop mal, là. Mais, à mon avis, d'abord, je valide la pioche, et après, on essaye de se faire une journée full rush. La journée full rush, il faudra la tenter, quoi, mais pas maintenant, quoi.
C'est pas là. Hein. C'est marrant, j'ai pas été limité par les essences, mais par autre chose. Alors, qu'est-ce que je fous avec un de pierre sur moi? Elles sont mes barres d'iridium. Le craft escalier, c'est 99 pierres. Il te faut v'là les pierres, quoi. Oh, la patte de lapin, déjà? Putain, mais en fait, le Twitch Rivals, on s'est fait chier à aller au Traveling Cart, alors que si on avait acheté les lapins et tout, c'était juste gagné. Mais regardez-moi ça. C'est trop simple, en fait. Je crois qu'on a dit bonjour à tout le monde. C'est beaucoup trop simple. Cette vieille chatte. Mais non, mais c'est trop simple, c'est tout. J'ai eu deux pattes. J'en ai eu deux. C'est trop facile. Mais non, on va avoir Truffle ultra vite en fait. Pauvre lapin qui a perdu sa patte. Tout se passe bien ici. Tout se passe bien. J'ai pas calculé quel jour ça allait arriver. Je crois qu'on l'a mis à 2 jours et que ça dure 13 jours ça. On les a mis le 9. Il devrait arriver quoi le 24? Non. On les a mis le 9 et c'est 13 jours, il devrait arriver le 22. Il devrait arriver le 22, je pense. Mais à condition qu'on les ait bien plantés le 9 et qu'on ait bien arrosé ce jour-là. Ça, c'est pas dit. On les a bien arrosés le 9? Oh, ce quartz. Putain, mais tout ça? Heureusement que j'ai les omelettes. Heureusement que j'ai la strat omelette, parce que sans la strat omelette, on serait bien dans la merde. Si tu vas voir tous les jours, t'as pas besoin de retenir. Ouais, mais retenir, c'est bien. Vas-y, on va vendre les produits animaliers nuls. Tiens, je vais même vendre un goudron. Non, le goudron de pain, je pense que je vais garder. Ça a l'air assez chiant comme ça à voir. On en a pas mal, hein. En vrai, on en a pas mal. On a deux goudrons de pain, trois racines de chêne, trois sirops d'érable. Ça se trouve, à un moment, il lui en faudra par paquet de 10, j'en sais rien, mais bref. Aujourd'hui, je vais aller donner ma pioche, je pense. Point de différence entre la team chat et la team chien, il y en a plus de 60, je pense. T'as sauvegardé une patte de lapin? J'ai déjà donné une patte de lapin, rien. Ah bah non, on pourra pas voir. Mais si, on pourra voir. Bref, j'ai terminé un bundle où il y avait la patte de lapin. Je crois que c'est celui-ci. Je dois aller... filer une améthyste à Emily. Who is Emily? Qui est Emily? Emily célibataire, c'est la... Hein? T'es qui? Deux allées des sols, maison d'Emily et Ali. Elles vivent ensemble? Ok. C'était qui? En vrai, c'était qui? Vous êtes qui? C'est déjà 1h du mat. Faut que je regarde ce qu'ils veulent ici aussi. Lingot en or sur ma cheminée, livraison effectuée dans la journée, merci. Dans la journée? Vous me foutez de moi là? T'as le marché nocturne, ça a l'air insane. Attends, Emily, moi je sais pas ce qu'elle fout de ces journées, elle. Alors, dis-moi qu'elle est à la maison, ce serait plus simple. Pas du tout. Elle est pas là du tout. Ah, mais si, elle est là! Ah, mais elle est dans sa chambre. Ah, mais on se connaît pas. Mais vas-y, viens. Mais dépêche-toi, par contre, hein. Bon, elle a pas bougé bien loin, tant que je vais aller chez le forgeron, elle a pas bougé en 2 secondes. Là, pour l'instant, elle a pas l'air d'avoir envie de sortir.
Hop. Si elle a pas envie de sortir. $25,000 ça va me coûter ça. Attends. Ouais mais... Oh quoi que je l'ai pas ça. Ah si je l'ai l'obsidienne. Moi je pense que j'ai tout en vrai. On peut acheter de l'iridium à lui ou pas? Non. La pioche d'iridium à 25,000. Ouais. Ça devrait prendre quelques jours, quoi. Emily Maïdir. Qu'est-ce que vous foutez là? Oh! Vas-y. Cadeau! C'est ma bière précieuse préférée, je l'adore. Hein, de la part de qui? Oh, Clint, je me moque bien d'où elle provient, elle est magnifique, je te remercie, donne un bisou. Mais calme-toi. Je suis un homme marié. Je suis un homme marié, calme-toi, ouais. Calme-toi. Ah non, mais l'hiver, c'est trop bien. Bon, attendez, parce que j'ai donné ma pioche. Ah, faut que j'aille chercher les trucs. Ah, Clint, ouais, Clint, dommage. Clint, dommage. Bah, d'un côté, il s'est un peu servi de moi pour essayer de faire le show. Voilà. C'est qui, Clint? T'es qui? Ah, c'est le forgeron? À un côté, ils sont un peu dans les mêmes délires, parce que lui, les forgerons, elle est... Oh, ça, je l'avais pas, la grevette. On repose. J'ai pas la grevette. Ils sont un peu dans les mêmes délires en vrai. Elle a l'air d'aimer les pierres. Ouh, la trilobite. La trilobite, je l'avais pas, je crois. Bon, au niveau des poissons, ça commence à se préciser. Il me manque celui-là. Ça. Un truc à pêcher dans les bordels. Hein. L'OST de l'automne. Ah, l'OST de l'automne est forte. Mais l'OST de l'hiver est tellement bien. Globalement, il y a beaucoup de choses cool, quoi. Trilobite. Et du coup, on en est où sur les compétences? On est passé 9 en extraction minière. Hein. Ça va vite. Hein. La cueillette. Bon, la cueillette, j'augmente pas, mais parce que... Ah, mais la cueillette, ça, je peux l'augmenter, je pense, en coupant des arbres. Combat, par contre, c'est chaud. J'ai trop hâte de voir la récompense niveau 10 du minage. Mais pour ça, il va falloir miner beaucoup plus. Il va falloir faire cette journée incroyable de minage. Mardi goût trilobite, quoi. Bonne nuit. Ah bah oui, bon mardi d'ailleurs, nous sommes mardi évidemment. Y'a des crabes dans votre film? Putain, mais qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce qu'on va faire de nos journées? J'ai plus ma pioche pendant 2 jours. J'ai déjà donné la trilobite? Hein? Combat sans te mentir, t'as pris la mauvaise paix. Tant pis. Ah, la carte au trésor. Ah, mais attendez, il m'a révélé 2 trucs. Il m'a révélé la carte au trésor, mais il m'a révélé autre chose, le jeu, non? Il m'avait révélé les 100 étages, là. Mais ça, c'est parti dans une quête, il me semble. Mais il en a pas fait une quête de la carte au trésor? C'est-à-dire, il l'a noté nulle part, en fait. Parce que le coup des 100 étages, il l'a noté. Le coup de quand tu fais un... Quand il te révèle que machin aime tel cadeau. Ah, c'est pour Bisufani, j'ai eu l'œuf de dinosaure. Creuse pas sous tes pieds dans Minecraft. Ah oui, j'avoue. Merci pour le backseat. C'est pour Bisufani. J'ai eu l'œuf de dinosaure. Trop beau. Il est beau. Mais alors attends. Waouh, le coffre au trésor.
Waouh, il contient un trésor, vous en tirerez un bon prix. Bah, il veut que je le vende. Allons voir Gunther, dans le doute. Mais je pense qu'il veut que je le vende. On peut pas l'ouvrir. Tu l'as eu comment, l'œuf? Dans un ver de terre. Il y avait un ver de terre, j'ai creusé, j'ai eu l'œuf de dinosaure. C'est si rare, l'œuf de dinosaure? Mais ça, c'est parce que j'ai pris la mauvaise paix, donc le jeu me donne... Voilà. Non, mais c'est quoi, l'œuf de dinosaure? Attendez, je vais aller voir l'œuf de dinosaure. On va aller voir c'est quoi la proba. Vas-y, putain. Putain, je suis en cheval, je vais pas vite qu'à pied, quoi. J'ai une save bug, je pense. Ouais. Je pense que j'ai save bug. Ouais. Ah ouais, je l'avais pas, l'œuf. Hein. 100% confirmé, j'avais pas l'œuf de dinosaure. Non mais attends. Dinosaur Egg. Stardew Valley. Le dinosaure egg. Alors. Ça va. Alors. Tu peux l'avoir sur dinosaure. Ah oui, d'accord. Donc le dinosaure dans les mines, il peut te le... The dinosaur will produce a dinosaur egg every 7 days. Ah mais tu peux le... Ok. Artifact spot in the mountains quarry, 0,8%. En vrai, là, dans le ver de terre, à chaque fois que je tapais un ver de terre dans les montagnes, j'avais 0,8% de chance de l'avoir. Donc en vrai, ça va. Quand tu tapes un dinosaure dans les mines, t'as 10% de chance de l'avoir. Tu peux le trouver par terre dans les préhistoriques levels de la cave. Ta-dum, ta-dum, ta-dum. En vrai, ça va. Ça a pas l'air d'être le plus dur. Il va se spoil. 0,8 c'est 100%. Ça. 0,8 c'est totalement 100%. Qu'est-ce qu'on... C'est vrai qu'on aurait pu l'incuber pour avoir des petits dinosaures. Des bébés dinosaures. Avant, il n'y avait ni les mobs, ni les étages préhistoriques. Bah, ça reste 0,8%. Avec tous les vers de terre que tu tapes pendant l'hiver, plus pendant les autres saisons, si t'as l'œil, ça se fait, quoi. Bon, je pense que j'ai eu de la chatte quand même, mais... Ça, c'est pas grave. La chance, ça se provoque. Bon, le coffre trésor, je vends. Et là, vous allez me dire... Non ! Non, mais je suis jamais châteux. C'était sur Borderlands 3, la semaine dernière, Mintos, il a looté 13 légendaires, j'en ai looté 2. Allez pas me dire que je suis chanceux au jeu, quoi. En vrai, le coffre trésor, je vois pas quoi en foutre d'autre. Hein. Je vends. Je vends. Je vends. Je vends. Je vends. Je vends, je vends. Je garde la main. Qu'est-ce qu'on avait ici? J'ai ma pioche. Mais là. Qu'est-ce qu'on avait mis là? Les bombes? Tant pis. Tant pis, c'était une erreur. Je m'en fous. Est-ce que l'autre Cabane Man là. 17h, ah c'est mort. J'aurais bien racheté du bait en fait. Pour pêcher un peu là. On aurait bien pêché un peu. Ça sinon je vois pas trop quoi foutre. Hein. Donc pas pouvoir aller à la mine pendant 2 jours. Hein. Faut repêcher quoi. Tang ta 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 tang. Pêcher plutôt à la plage. Faut que j'arrête d'utiliser le cheval en vrai. Du bois. On peut faire du bois aussi.
Le bois est utile. Bois est utile pour le charbon, le bois, bois. Le bois, c'est bien. Demain, on fera peut-être du bois. On va pêcher. Allez au bar. Le bar, j'ai plein de salades. Bof. Passe tes journées au bar à boire des bières. Là, mon personnage, il est un peu dans la greffe, quoi. Non, non, non! Pourquoi j'ai regardé mes quêtes? Je sais très bien ce que je dois faire, en plus. Le panier de Linus, les 100 étages et la bière blonde. J'ai des totems de téléportation à la mer, je pense pas à la recette par contre. Merde, 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 merde! Oh, ce sauvetage! Zat sauvetage, Zo! Calme-toi. Oh, le calmar. Petit calmar. Et du thon l'hiver en ce moment. Planifier une sieste dans ton chômage de demain. Ça va, il est pas tard encore. Il est 1h du matin. Franchement, on fait la journée de minage de génie et puis c'est bon. Oh, un petit trésor. Oh, le double perfect. C'est beau. Double perfect sur un albacore. Putain, il aurait pu me donner autre chose que du minerai de cuivre. Je suis dégoûté. Dégoûté. Les 100 étages. Je pense que les 100 étages, c'est un peu greedy. Je pense pas avoir encore assez de bombes et assez de... Moi, ce que j'ai vu... Quand j'ai vu Touchy faire du rush... Du rush de Skull Cavern, là... Merde, y'a plus le... Quand j'ai vu Touchy faire le Skull Cavern, il utilisait un... Un lance-pierre et des munitions explosives. Alors, je sais pas si j'ai les ressources pour faire ça, faudrait que je regarde. Mais ça avait l'air assez craqué. Bon, après, il en avait vraiment des milliers, quoi. C'était un rang. Il avait des milliers de munitions explosives, il avançait avec ça, en fait. Ça avait l'air assez craqué. Là, actuellement, je suis level 15 en pêche, quoi. Le problème, c'est que les munitions explosives, là, ça avait l'air trop chiant à jouer. Quoi. De l'or. Je sais pas si j'ai ça quelque part. J'ai les petites bombes, les bombes, les méga bombes. Chemin pavé. Je crois que ça doit être dans combat. Je dois débloquer ça dans combat au bout d'un moment, mais mon combat pour l'instant il est pas assez haut level quoi. Je suis pas assez haut level en combat. Brou brou. Brou brou. T'as commencé à regarder le challenge de Touchy, c'est un autre niveau. Bah, surtout que c'est un niveau d'optimisation, quoi. Moi, j'optimise pas, en fait. Moi, je suis là, je fais mon playthrough. Alors, j'essaye d'optimiser. Mais en vrai, c'est pas le but, quoi. Je fais juste mon petit playthrough dans mon coin. Et les mecs comme Touchy, ils ont 4000 heures. Et leur but, c'est de faire des défis sur le jeu, quoi. Donc, c'est sûr, ça n'a rien à voir. Ça va, j'ai pêché des algues au passage, c'est cool. Ah, Skull Cavern, c'est dur. Hein. Là, franchement, on a fait quoi hein, 40... On a fait 50. Putain, c'était déjà si chaud, quoi. En fait, c'est tout est basé un peu sur la RNG des trous. Quoi.
Si tu tapes plein de trous qui te font tomber du 8 ou 7 étages, bah t'es tellement bien, quoi. Faudrait faire la bagarre. Faudrait aller faire un peu la bagarre, ouais. J'ai remis du bait dans mes conneries, oui. Il me semble que oui. Bon, bonne nuit. Hein. Ah, les momies, c'est trop chiant. Ah, demain, elle traveling carte. Hein. Combien ? 5000 le coffre au trésor. En vrai, je suis un peu déçu. Je pensais que ça coûterait plus cher. 5000 gold, c'est pas beaucoup. Hein. Pour le moment où on est dans le jeu, t'as avancé dans les recettes de cuisine ? Absolument pas. Enfin, j'ai plein de recettes de cuisine, mais je ne cuisine pas. Tout ça m'emmerde. Mais je le ferai à un moment, c'est sûr. La vue par cette fenêtre m'inspire, pas toi ? Si, ça va. Bientôt ton anniversaire, toi, attention. Hein. Tu auras une bonne salade pour ton anniversaire. Attendez-vous à quelques centimètres de neige demain. Les esprits sont d'une humeur normale. Okay. Très peu d'items qui rapportent 5000, c'est sûr. Bonjour, Thomas. Qu'est-ce que fait? C'est un bel endroit ici pour se promener. J'avais pas vu cette vieille ferme depuis si longtemps. C'est encore mieux que dans mes souvenirs. C'est l'hiver, j'ai rien de... Bon, bref. Tiens, je t'ai apporté un petit quelque chose. C'est un cadeau d'un jardinier à un autre. Qu'est-ce que ça m'a filé, là? Reçu pot de jardinage. Ces pots sont vraiment utiles. Tu peux les utiliser pour pousser des récoltes de n'importe quelle saison en intérieur. Ils peuvent se mettre aussi à l'extérieur. Mais en extérieur, ils ne peuvent faire pousser que des récoltes de saison. Très bien. Si tu en veux plus, ils sont très faciles à fabriquer. Tiens, j'ai un vieil article de magazine avec les instructions dessus. Compétence de fabrication pot de jardin. Bien, je ferais mieux de partir. Georges devient grincheux s'il n'a pas ses flocons d'avoine en temps et en heure. Passe une bonne journée. C'est un peu Yoda. Chichayou, je suis à la recherche de l'art perdu de la divination de l'ombre. J'ai besoin d'un objet connu sous le nom de l'essence du vide. Apporte-le-moi et je te récompenserai, Asmodus. Casse les couilles, Rasmodus. Go bourrer la serre, on peut les mettre là aussi, non? On peut faire une plantation en intérieur. Après, j'ai rien à planter. Donc, on peut mettre dans la serre. On peut mettre dans la serre, on peut mettre ici. Rasmodus, quoi. Allez, fais voir combien ça coûte de faire des pots de jardin, là, des pots de fleurs. Là. Engrais pour arbre. Argile, 10 pierres, un quartz raffiné. Fait pousser des récoltes de toutes les saisons à l'intérieur. À l'extérieur, il ne peut faire pousser que des récoltes saisonnières. Le champ de citrouille dans le salon, là. Merci Tsunayosh. Vous pouvez être en mode Twitch Prime, des gros bisous. Merci beaucoup. Mais ta mère en fait. M'a saoulé lui. Je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde, hein. Non, mais les pots de fleurs, ça m'intéresse pas des masses. Mmh. Quelle brasse. On est le vendredi, il y a un traveling cart à aller chercher, là. Ok. Pommier qui fait pas de fruits là. M'énerve ça. Salut Roscoe.
Ça va bien, ça va bien. Les cochons, ils s'appellent Zuzorander, MV. Je crois qu'il y a Yamato en cochon aussi. Ah mais attends. C'est moi ou? Bah. C'est moi ou tout ce qui est dans le frigo? Ah, on peut mettre les ingrédients dans le frigo et ça nous permet de cuisiner. C'est trop stylé ça. Ça c'est stylé. Qu'est-ce qu'on a à faire? Apporter une essence de vide. Et bûcher quoi en gros. Comme dans la vraie vie. Ouais mais attends. Le jeu il fait pas beaucoup de trucs comme ça. Hein. Passons par là. Traveling card, parfait, on devait y aller. Poisson des sables, homard. Mayonnaise de canard. Oh, une pile. Ah, la pile, c'est oui. Après, le homard, je crois qu'on l'a pas pêché, mais si je l'achète, ça va pas compter. Il faut le pêcher. Il faut le sortir d'un... Ouais, le homard, je l'ai pas. Dans le doute, je vais le prendre, mais je pense que ça fonctionne pas. Ça aurait été trop beau. Oui. Après, peut-être que si je l'envoie en vente, le jeu va être OK. Après, on va l'avoir à la plage. Faire un petit tour ici, tiens. On a une maison améliorée. Hein. Il n'y a plus rien à avoir niveau ver de terre là. Il y en a partout, mais. Que de la merde, quoi. Je trouve vénère en vrai. Oh, je suis trop vénère. Tous ces vers de terre pour ça, quoi. Mon passage secret, hein. Oh. Incroyable. Ils m'ont saoulé, il n'y avait rien. On va race modu. Le problème, c'est que les arbres n'ont pas repoussé. J'ai tellement peu d'endroits où aller faire du bois, là. Tiens. Oh, vous en avez trouvé, vous avez gagné ma gratitude, une récompense de 1000 PO, disparaît maintenant. Mais tu te fous de ma gueule, en fait. Petit con. Quel petit con. On le déteste, lui, hein. Flap, 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 flap. On a du bois à gauche qui a repoussé là. Putain, les arbres ça prend 15 ans quoi. Ah oui, mais en plus là les arbres ils poussent pas. Ceux que j'ai plantés en hiver évidemment ils ne poussent pas. Ah, je suis vénère, j'ai plus d'arbres à couper. Ouais, moi je coupe des arbres c'est plutôt pour l'XP que pour avoir du bois. Du bois j'en ai pas tant besoin mais. Tot, tot, tot. Je peux passer là-bas. Pum, pum. On a combien de piles? 4.
C'est pas énorme. D'un côté, on peut pas farmer les piles dans cette saison. Un peu dommage. Bonne nuit, The Lords. Bonne nuit. J'espère que les choses vont bien pour vous à la ferme. Ça se passe très bien. Je sais pas trop ce que Papy fait sous la neige. Te fais pas bait, s'il te plaît. On passe bien par là. Oh, un livre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu quelque chose dans les vers de terre, quoi. Encore la crevette. Encore la crevette. Encore la trilobite. Prochaine journée, ce serait pas cool que ce soit un very good day au niveau luck, parce que ça donnera envie de partir. On récupère notre pioche qui est à 9h et ça donnerait envie d'aller au truc, quoi. J'ai vu quelque chose d'étrange dans le tunnel menant à Pays Canville. Une petite porte est dissimulée dans l'obscurité, cependant c'est impossible de l'ouvrir. Dans le tunnel menant à Pays Canville. Une petite porte est dissimulée dans l'obscurité, cependant c'est impossible de l'ouvrir. Le tunnel menant à Pays... Hein ? Le tunnel, quel tunnel ? Y a pas de tunnel. Le seul tunnel, mais il n'y a pas de tunnel. Il y a les mines, mais il n'y a pas de tunnel. Il n'y a pas de tunnel, en fait. Il y a les égouts. Il y a les mines, mais les mines... Il n'y a pas de tunnel. Là. Le tunnel d'arrivée, là ? On peut pas y aller, là. Le tunnel de... Non. Oh, j'ai reçu une emote. Oh, ça va, elle est jolie. Merci Raging Dead pour les 29 mois de Twitch Prime. Merci d'avoir débloqué une emote également. Une emote de Noël, merci beaucoup. Attends, mais quoi ? C'est un coffre mis une alimentation à pile, mais heureusement, il n'y a pas de pile dedans. Ah. Bah, let's go, là. On peut aller là ? Après un an de jeu, il découvre le tunnel. Bah non, mais attends, mais... On est où, là ? C'est quoi, ça, d'ailleurs ? Vous avez trouvé panier de... Ah les bâtards ! Ah les bâtards ! Putain, vous avez réussi à pas me spoil ça ? Mais combien de fois je suis passé devant ? Merci King Destroy pour les 30 mois de Twitch Prime, bien le bonsoir. Oh là là. Putain, je vais vérifier un truc. Je suis jamais allé là. Oui, mais est-ce qu'on peut le voir, en fait ? Mais oui. Mais en fait, on le voyait. On le voyait d'ici. Oh, d'un côté, c'était difficile de savoir que c'était pas du décor.
Oh mais quel enfer, putain, c'était là depuis le début quoi. Ça a marché, le coffre s'ouvre, à l'intérieur il y a une note. Ta première tâche, apporter une coquille arc-en-ciel sur le quai de la gare, dépose-la dans la boîte, monsieur qui ? Déposer une coquille arc-en-ciel dans la boîte sur le quai de la gare. Une coquille arc-en-ciel, jamais eu ça de ma vie moi. Qui est de retour quoi ? C'est vrai que, pour le coup, qui est de retour ? Faute, on a déjà eu. Mais non mais... Ça s'appelle pas comme ça, hein. Attends, ça va être dans quoi ? Cueillette ? Ah. Ah ouais. Ah, c'est une autre saison, ça. Ouais. Après, j'ai peut-être gardé un truc de chaque à chaque fois. Si je dévie la boule de billard, je pourrais peut-être me la mettre. J'ai appris au moins une chose en arrivant ici, tout le monde te regarde, c'était différent. Est-ce que je devrais laisser gagner Sam pour une fois ? Non. Non. Ça s'appelle pas comme ça. Mais oui, non mais... Mes parents étaient abasourdis quand je leur ai dit que je voulais devenir menuisière. Ils sont très vieux jeux. Ah, v'là Linus. Achetons les recettes. Galettes de pommes de terre, pizza, triple dose d'espresso. On peut acheter la triple dose d'espresso, la recette. Waouh. Ça coûte 5000, quand même. Ça coûte 5000 pour une recette que je peux avoir dans le désert, quoi. Vas-y, j'achète. J'achète. Tiens, là ton panier, du con. C'est pas toi, Linus ? Hein, c'est Lewis, lui. Oh, c'est qui, Linus ? Oh ! Ah, c'est Joel Clodo. Ah, mais attends, à cette heure-là, il vient traîner vers le bar, normalement. La réaction, c'était « ça vaut cher ». Oui, mais... Franchement, j'avais aucune idée que ça s'appelait coquille arc-en-ciel. Coquille arc-en-ciel, je pensais un peu à autre chose. Je suis jamais allé dans la tente de Linus. Est-ce que je peux ? Oh, non, non ! Oh, dis-moi que je peux. Mon panier, je te remercie, cela compte beaucoup pour moi. Ouais, bah désolé, c'est pas vraiment la bonne saison, quoi, mais... Désolé, Linu. Bon bah putain, on aura progressé. Cette journée, c'est un peu une journée charnière, quoi. Il l'aura pour le printemps. C'est vrai qu'au moins, c'est bon, quoi. Putain, mais monsieur qui, quoi. Monsieur qui, là, il a des nouveaux trucs. On a déjà fait une quête avec qui. Tac, la trilobite. Avec qui, ouais, on a déjà fait une quête avec qui. Bon, du coup, on aura bien coupé du bois aujourd'hui, hein. Franchement, un plaisir. Et je peux pas miner, en plus. Vous savez quoi? Je pense qu'il y a des journées comme ça, faut se coucher tôt. On va aller se coucher tôt. Ce sera très bien comme ça. Bah alors. J'aurais jamais pensé recevoir un pendentif de sirène si vite après emménager ici, mais j'en suis très heureuse. Tout pareil. Changer la note de musique ? Putain, trop bien. Pioche d'iridium prêt.
La vue par cette fenêtre m'inspire. Baise. Les esprits sont un peu perturbés. Bon, ça tombe bien. Le homard, est-ce que ça a marché? Bonne question. Je pense pas, en vrai. Non. Ah, j'ai enfin compris le truc de rester appuyé sur clic droit. C'est incroyable, ça. C'était le backseat de l'année, ça, en fait. Oh, les cochons, ils commencent à être v'là gros. Oh. Tout va bien ici? Tout va bien. Les noms des cochons, on a... Zulzo, MV... Et d'autres. Je me rappelle plus exactement. Je crois qu'on a Yamato. Attendez, mais il me manque un outil là. Comment ça se fait? J'avais quoi ici? C'était les bombes, non? Ça doit être ça. Pum 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 pum. On a récupéré la pioche. Mais alors aujourd'hui on est samedi. Les cochons c'est pour les truffes. Les cochons truffiers. Alors me demande pas pourquoi mais c'est le cas. Les lapins ça donne des pattes de lapin et sûrement d'autres ressources. Peau de lapin aussi. T'as ici que le bouton d'émargement, je sais pas si c'est chiant. Non, non. Ça se passe bien. Tout va bien. Bon, la pioche d'iridium, ça devrait être assez goldé. Ok. Ça devrait être assez fort. Point, 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 point. Point, point, point. C'est sérieux ça, que de la merde. Une huître. Une huître, une coque. Et je vais être à court de bait en plus. Ah, ça j'ai pas vu. Oh, fossile de Nautil. Ça j'avais pas ça. Ah bah si, je l'avais, il doit provenir d'un très ancien récif corallien. Putain, fuck it, quoi. Les artefacts, je commence à tout avoir, le musée est trop dur à remplir, ouais. Non mais t'es sérieux, mais jamais là, putain. Pour une fois que j'étais là, ouvert de 9h à 17h, mais viens, en fait. Viens à ton magasin, poivreau. Je vérifie, hein, mais ça m'aurait étonné. Le truc, là, le coquillage, il était que en spring, je crois. En fait, il faudrait que je commence à garder vraiment un truc de chaque. Ce serait tellement plus pratique. Au cas où on me demande ça un jour, tu vois, je le garde, ça, je le garde aussi. Ok, lui, il veut juste pas venir, quoi. Les artefacts qui me manquent, est-ce que je peux les voir depuis le menu? Non, mais je me doute chez Gunther au musée. Un peu de ce qui me manque.
Ouais, Joe le pêcheur, il est en train de picoler, quoi. On peut couper ça? Alors, en ville, on peut pas. Qu'est-ce que vous voulez? Fruit de cristal, si c'est possible. Putain, le marché nocturne. J'aimerais voir ce que c'est, le marché nocturne. Mais... Tu as bougé ton huc? Est-ce qu'on avait des arbres par là? Oui. Non. Ouais, mais je connaissais déjà un peu le jeu avant de lancer Missa. C'est normal que la première année tu fasses pas grand chose normalement. Moi, on m'avait déjà beaucoup backseat le jeu vu que j'avais participé à un Twitch Rival en fait. Putain, fuck. On peut pas couper ça. Hein. Le marché nocturne, j'ai hâte de voir ce qu'il y a à foutre là-bas. Quoi. C'est le genre de truc que je connais pas du tout. Ah, oh, mais il y a des arbres ici aussi. En plus des cailloux. Oh, quel plaisir. La pioche en iridium, elle rigole zéro. Tout pété, tout pété. Là, je comptais passer, voir où j'en étais au niveau des monstres tués dans tous les cas. Juste finir par déblayer toute cette zone. Wow. Putain, j'ai cru qu'il y avait un espèce de champlard bizarre, mais non. L'outil préhistorique, j'ai déjà. Déjà tout, en vrai. Putain, j'ai pété un bébé arbre. Mais j'ai tellement d'énergie maintenant. Perso, il peut passer toute la journée à bosser, il n'y a plus de soucis, hein. Sinon, il y en a encore des fruits étoilés à trouver. Hein. Ça se trouve, le bail, en fait, pourquoi les gens se marient avec tout le monde, ils draguent tout le monde? Parce que si t'es amoureux de plein de personnes, sauf que toutes les personnes te filent un truc étoilé en guise de d'amour. Donc, ça va repousser, hein. Ça fait 400 de bois, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais ça passe. C'est déjà ça de mis de côté, quoi. C'est mieux déblayé que chez moi. Bon, allons voir. Qu'est-ce qu'on a bien buté? Les slimes, on est qu'à 200 sur 1000. Oh là là. Esprit de poussière, 86 sur 500. Insectes, 43. Mais c'est trop long, en vrai. 55 sur 250 serpents. 1 sur 50 poivrons rex. Il y a un truc qu'on n'a jamais vu. 8 sur 60 crabes des roches.
Putain, mais c'est trop en fait. Katana de lave, c'est déjà le mieux qu'on ait. Les bottes de l'espace, c'est ce qu'on a. Y a pas de bag insane en vrai. Bah tant pis. Ouais, j'ai déjà accès aux égouts. Je suis allé dans les égouts, mais j'y ai pas trouvé grand chose, à vrai dire. Mais les égouts, on a déjà. J'ai bailli le fruit là-bas. J'ai bailli le fruit. Il y a surtout un sceptre à 2 millions pour se téléporter à la maison depuis n'importe où. Là. Regardez, il est là, le panier. Monsieur qui veut, il veut que je vienne mettre des trucs. De toute façon, si on fait toutes les quêtes de Monsieur qui, on pourra aller là. C'est une boîte vide. Ok, donc ça, c'est la boîte vide dans laquelle mettre les trucs de Monsieur qui. Ça, c'est quoi? Ok, bon, au moins, maintenant, je connais. Et là, on peut aller ou pas? Non. Bon, demain, ce serait pas mal de pouvoir faire la journée full mine. Sauf qu'il y a le traveling card, de toute façon. Là, je deviens parano sur tous les éléments du décor, normal. Bon, il y a des zones pour moi dans ma tête, c'était vraiment genre tu pouvais pas y aller, quoi. Dans la boîte, je dois mettre. Il y a Monsieur qui. Monsieur qui m'a demandé d'aller foutre un coquillage arc-en-ciel dans la boîte. Après, j'imagine qu'il me demandera d'autres trucs par la suite. Oh, les fruits tout claqués. Genre. Mais j'ai eu une note secrète aujourd'hui. Écrit de la main de Penny. J'aurais donné à chacun ce qu'il aime. Maman, panais, patates douces glacées, pâte bière, jas, rosier, pudding aux prunes, Vincent, gâteau rose, raisin, Monsieur Muller, poireaux, champignons frits, Mamie Mulner, betterave, tulipe. J'espère qu'on vient d'apprendre plein de trucs, mais je m'en fous de vos vies, quoi. Non. Palap, 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 palap. Enfin, je vais essayer de garder des trucs dans les coffres. Ou un diamant. Mais non. Non, ça je vends. J'ai déjà un abricot. Un améthyste. Vas-y, on va garder un de chaque. J'ai eu dans un arbre la note secrète. Ouais, bah, comme d'autres, hein. On en a eu d'autres dans des arbres. En effet. Ça, j'aurais pu garder. Autant de sève. On a de quoi planter des arbres. Mais j'ai des géodes, là. J'ignorais ça. Beaucoup de bois. Plaisir. Organiser ma ferme avant le printemps. Ah oui, sûrement. Bah bien sûr, en fait, là ce qu'on essaye de faire pendant l'hiver, c'est d'avoir un maximum d'arroseurs. Là, tu vois, déjà dans ma serre, j'ai pas mal d'arroseurs en iridium. J'en ai que deux, mais après, j'ai pas mal d'arroseurs et j'en ai plein sur moi aussi. Mais on aimerait évidemment en avoir beaucoup plus. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai foutu de mes arroseurs? Ils sont là.
Il me reste 12 ici. Le but serait d'en avoir plein pour Spring, pour n'avoir rien à faire, en fait. Allez, bonne nuit. Hein. Quelque chose me donne soif à cette heure de la nuit. Cueillette niveau 8, une compétence de hache, une récolte des baies sauvages, une recette de fabrication, totem de téléportation, ferme. Comme stratégie au début, je sais pas, moi j'utilise pas vraiment de stratégie. Hein. Pour moi justement, Stardew c'est le jeu où qui... tu peux essayer de strat, mais c'est pas vraiment important en fait. Les esprits sont de bonne humeur. La reine des sauces. Gâteau au chocolat, quelle meilleure façon de passer ces froides nuits d'hiver que de plonger dans une riche montagne de chocolat. Avec mon aide, vous serez sur la bonne voie pour créer le meilleur gâteau que vous avez jamais vu. Maintenant vous allez avoir besoin de beaucoup de sucre. J'ai appris le gâteau au chocolat, merci pour la team chien. Je me suis levé tôt pour nourrir tous les animaux, j'espère que ça te facilitera la tâche pour aujourd'hui. Cette journée va être spéciale, je le sens. Dès demain, une flotte marchande d'Ikihiro t'accostera à Pays-Grandville pour le marché nocturne annuel. Le marché commence à 17h, restera au port pour les 3 prochains jours. Veuillez venir à la plage après 17h pour participer aux festivités, il y aura du café gratos. Il y a eu la strat des 600 citrouilles. Il faut pouvoir les arroser, quoi. À nourrir les animaux, l'IA, ça sert pas à grand chose, là, on va pas se mentir. Mais bon. J'ai un peu les bâtiments les plus chers, quoi. Oh, les cochons, ils commencent à être bien gras. Bon, est-ce qu'on tente une journée full mine? Ce serait pas une journée full mine parce qu'on partirait que maintenant. Et je dois voir le trading card. T'as raté une vache, il te semble. Oh, c'est pas grave. Le radiateur tourne tout seul. Plaisir. Ça ferait déjà 2 heures d'avance, à vrai dire. Oh, ça, j'ai pas pointe de flèche, je crois. Poisson cuit au four, orange, pudding aux prunes, ardillon, noix de coco, pudding de mousse de mer. C'est que celui-là, on l'a pas trouvé encore. Hein. Ah putain, la pointe de flèche, on l'a pas, donc faudrait absolument pas la perdre. Là, j'emmène beaucoup de choses avec moi, quoi. Fuck it, il faut tenter. Faut bien le tenter. Let's go. On va le tenter, on verra bien. Bah, je regarde pas le chat, j'essaye de faire la mine. Pas de pierre. Ah merde, j'ai pas pris de pierre. Bah, déjà, quelle bonne idée. Je suis parti sans pierre. Super. Parti sans pierre. Il y a déjà full connard. J'en peux déjà plus de ma vie. Déjà de l'iridium ? Oh, c'est si lent. Et je leur fais des dégâts ou pas? C'est déjà si lent. Faudrait des bombes. What? Les dégâts. OMG. Faut voir les bombes comme ça, ce qu'elles font. Faut bien tester. Hein. Ah ouais. Thank you.
Il faut des trous, monsieur, il faut des trous. Oh, j'en peux plus. Hop! Putain. L'étage de l'enfer qu'il y avait là. Ça peut tomber de 3 niveaux, ça peut. Salut Jean-Michel Brady, merci beaucoup pour les 18 mois. Simul. Allez, please, quoi. Putain, mais le proc. Merde, c'est de la bite, ça, je m'en fous. Le chat est tombé de 6 niveaux. On est là pour avancer, qu'est-ce que c'est que cet étage? Ah mais voilà, là je suis vénère. Là je suis vénère parce que si on avait un escalier, on irait, on partirait à l'escalier là, mais on peut pas. Petit gars préhistorique, j'avais pas hein. Il y a un monstre, je le connais pas, j'ai jamais vu ce monstre. Ça file de l'iridium, c'est cool. Oh, quel trou je prends ? 8 niveaux ! Incroyable. Allez, on y va, on y va, on y va. Iridium. Mais meurs un jour! En plus, je peux même pas avoir le quartz. J'ai pas assez de cailloux. Bah, j'en ai pas emmené en fait. Quoi? C'est quoi ça? Attends, la nuit, au niveau du buisson, près du pont, il se passe des trucs quoi. La nuit près... Vers 1h du matin... Avant 1h du matin... Avant 1h du matin... Là, je regarde les bigailles. Ce que j'aime, l'odeur de citrouille sculptée, garder une améthyste sous mon oreiller, les gâteaux au chocolat, le goût de l'anguille épicée, le réconfort de la tourte au mur de maman. J'aime bien manger. Il faut que je m'en aille, là. Faut que je m'en aille vite. Super. Les tâches de merde que j'aurais 100% skip si j'avais eu de quoi le faire, mais j'ai pas de quoi le faire. Les graines de cactus.
tomber de 6 niveaux. Vite. Il y a de l'iridium, donc il me le faut. Bon bah c'est pas de l'iridium. Super. Mais le mob en DM, il me semble. J'ai pris les dégâts. C'est tombé de 4 niveaux. Ça va pas assez vite quand même. Hein. Ah mais j'en peux plus! C'est jamais des vrais monstres, putain, j'en ai marre. C'est quoi ça? Des cookies? Attendez, je dois acheter des merdes, là. Il y a des trucs qui sont sur moi qui servent à rien. Genre du bois. C'était des beignets de crabe. Chapelure, crabe et œuf mélangés en forme de boulettes et frits. On pourra le manger au pire. La barre de plomb. Je la vire. Vite. Désolé, je regarde pas le chat, mais là, c'est trop important. Stop. Tu prends. Ok, merci pour le CC. Ah, ça, c'est un étage nul. Putain, mais il n'y a jamais des vrais, en fait. Dégage, enculé. Combien de pierres? 136 pierres. Ok, alors attendez. Déjà, mangeons un beignet de crabe. Ensuite. Ah, les pierres level. Non mais là c'est mort, il est déjà 15h en vrai. Ça c'est les levels auto-skip ça en vrai. Quel plaisir de pas trouver de sortie là. Putain, si j'avais emmené mes pierres avec moi, ça aurait peut-être été jouable, mais là... Pff, quelle erreur, quoi. Quelle erreur! Ah, oh, quelle erreur. C'est jouable, ouais, mais il faudrait v'là les trous, en fait. Oh, il y avait l'air d'avoir un truc de ouf et j'ai pas pu le ramasser parce que j'ai pas de place. Mais j'avais pas de place. Je sais pas ce que c'est, ça brillait dans tous les sens. Ah, j'ai pas de place. Ah, j'ai raté un truc de ouf, je pense. J'ai pas de place. Écoutez, j'ai emmené plein de merde, je suis d'accord avec vous, mais... Tant pis, hein. On en trouvera. De 6 niveaux. Ah bah génial.
Allez les esprits, s'il te plaît, là, aidez-moi, là. Bande de cons. Déjà quelle heure là, 18h40, juste tester un truc, voir si je peux pas avoir un trou à la place d'un... Non. Il meurt jamais lui. En vrai, 19h10, c'est mort. Vous êtes tombé de 7 niveaux. On va loin, mais... On a oublié des trucs. Je crois qu'il y a le chien qui fait des bruits bizarres. Elle est où, Eterna? Vous êtes tombé de 5 niveaux. Et là, je meurs. Putain, j'allais voir le chien, parce que... Vingt heures. Tellement mort. Bon, merde, il y avait de l'iridium. Oh, ta mère. 77. En vrai, c'est faisable, hein. J'ai encore de quoi faire un escalier. Je finis ma journée, j'arrive, Rosco, là. Stop, quoi. Ah, qu'est-ce qu'il est chiant, putain. Je pense qu'il est pas ressorti ce soir. Heureusement que j'ai des bombes. Putain, c'est sérieux ça? Mais loot toi! Oh putain, quel enfer! Quel cauchemar! Quel cauchemar! Rosco, j'arrive.
Ok, je suis mort. Il y a trop de monstres. Il y a trop de mobs. Ok, c'est auto-lose là. Putain, mais le chien me stresse, bordel. Le chien me stresse. Il y a trop d'ennemis. Putain, ça va se jouer à rien. Il faut que je réfléchisse là. Faut que je gère des trucs de mon inventaire. Le tesson prismatique. C'est mort. Je vais tellement mourir dans la mine. Putain. Ça va se jouer à 3 étages, vraiment. Trop de trucs chelous là. Page d'agent et intime. Il n'y a que quelques célibataires plus âgés en ville. Aucun d'entre eux n'est parfait. Hervé est vraiment anxieux et faible, mais je sais qu'il fera un époux fidèle et dévoué. Il aime le café, les cornichons. Il va être un peu mélodramatique, mais il a un beau menton. Il aime les beignets de crabe et les grenades. Attendez, je dois acheter un truc là. Boisson énergétique. On peut faire de l'escalier, c'est vrai. Mais j'ai plus de place, putain. Non, mais c'est mort. C'est mort, ça se joue à deux, mais c'est mort. On va s'évanouir. Putain, mais ce chien. Attendez. Oh, le jeu pas sympa sur la fin.
Je l'ai. Je l'ai, mais je vais mourir. Ah, tu as réussi. Je l'ai, mais je suis mort. Allons, approche, sois pas timide. J'ai entendu dire que tu as été enfoncé profondément dans ces grottes aujourd'hui. Je voulais voir ça de mes propres yeux. Bon, juste après, je vais sortir le chien. Impressionnant, c'est impressionnant, tu as réussi mes tests haut la main. Je suis très heureux que tu aies réussi à te dépasser pour descendre de façon honorable au lieu de passer les niveaux en fabriquant des escaliers. Cela prouve ta grande valeur, t'as les principes. Tu prends l'importance de repousser les limites et de privilégier les formes même quand personne ne t'observe. C'est ce qui te rend si spécial, tu comprends, tu montres l'exemple, ça me plaît. Bon, vas-y, arrête de brasser là. Maintenant, bois ce lait spécial que j'ai préparé pour toi sur la table. Allez, vite. Vite. Ça s'appelle du lait de serpent d'iridium. Une bonne gorgée, tu gagneras encore en puissance. Le goût est horrible, la texture encore pire. Mais ta santé t'a jamais amélioré de 25. Bonne chance. C'est mort. C'est dommage. On était pas loin de pouvoir... rentrer direct, ça se joue à durer 30 minutes quoi. Te fallait un totem de ferme. Ouais, ah, tant pis. Bah, je vais sortir le chien. On va s'évanouir. Bon, toi. Tu viens ?
Breu. Là, le problème, c'est que je vais perdre des trucs trop cool. J'ai que des trucs bien dans mon inventaire et je vais les perdre. Putain, ça se joue à rien. Ça se joue à 2 mètres du lit, quoi. Je suis à 2 mètres du lit. On peut faire un incubateur de slime, des munitions explosives. Tout ça à cause du chien qui brasse, hein. Sans le chien qui brasse, si je perds mon stack d'iridium, je me la coupe en deux, quoi. Dans la maison, c'est bon. C'est vrai? Dans ta petite maison, ça va aller. Ouais, j'ai rien perdu. Champion du monde! Merci Zulzo pour les 7 mois, trop bien de cuire des trucs et tout. Ah mais c'est le meilleur jeu. Là franchement, ce que je viens de faire, c'était MLG. On a été MLG sur cette journée. Dormir à côté du lit Rebou, ça passe. Putain, mais c'était si close. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attendez. Droite, bas, droite, haut, droite. Haut, droite, bas, gauche, haut. Gauche, haut, droite, haut, gauche. Haut, gauche, validé. Et on avait tout à l'heure un truc, un buisson proche pont la nuit. Vas-y, je note. Je me suis fait des notes. Merci Raliris pour les 9 mois, des bisous. Oh putain, on a été si fort là. Ça fait plaisir. On a réussi à faire les 100 étages de la mine avec le chien qui brasse. Les esprits sont très heureux aujourd'hui, putain. Si on était allé le jour très heureux, ça aurait été tellement plus simple. Parlons des géodes. Les géodes sont des pierres creuses qui contiennent souvent des minéraux précieux. Un forgeron peut les ouvrir pour vous moyennant des frais. Maintenant, il existe différentes sortes de géodes et chacune d'elles renferme une sous-catégorie différente de minéraux. La rare omnigéode peut cependant contenir tous les types de minéraux. Ça va, on s'est fait 124. On s'est fait putain de 124 d'iridium et on a un tesson prismatique. Le truc, c'est que le tesson prismatique, faut le donner à Gunther au moins une fois. Je vais faire une promenade aujourd'hui. Bisous, bisous, non? Merci. Ah, c'était le jour le plus rentable de l'univers. Quel enfer, putain. Ah, du coup, là, aujourd'hui, on a tellement de trucs à faire. Et c'est le marché de... C'est le marché du cul, aujourd'hui, là. Sprinkler ou arrosoir en iridium? Faudra tout faire, mais principalement des sprinklers. En fait, faut qu'on se garde 15 d'iridium pour tout notre stuff. Et après, après, on est bien, quoi. Après, on fait des arroseurs, quoi. De toute façon, en vrai, on vient de comprendre que c'était pas si dur. La boisson énergétique restaure beaucoup d'énergie. En vrai, c'est pas si ouf, ça. Est-ce que j'ai des trucs à vendre, quand même? Faut que je m'occupe des animaux. Ça, je vends, ça, je vends, ça, je vends. Vas-y, attends. On va garder une émeraude. On va garder un peu de tout. Petite marque dedans sur le côté, c'est-à-dire que cette côte était le dîner de quelqu'un. Ok, ça je dois garder. On s'est fait trop plaisir là. On s'est fait beaucoup trop plaisir. Ça fait beaucoup de minerais, ça pour refaire des saloperies là. Putain, ça permettrait de faire pas mal de fourneaux aussi.
187 de cuivre. Les fourneaux, c'est avec quoi? Neuf fourneaux. Faut savoir où je les mets, quoi. Parce qu'à un moment, j'ai pas la place, quoi. Putain, mais il y a trop de bordel. Oh, tellement de choses à ramasser, tellement de choses à s'occuper là. La poubelle en cuivre. Ouais. En vrai, c'est pas comme si on perdait tant que ça. Et le chien continue. J'ai sorti le chien, il continue à brailler. Ce chien, il voit le veto là. Hein. On allait dehors et tout. T'as oublié un œuf. Ah oui. Faut que je commence à me refaire des omelettes de ouf. Bah attendez. Qui dit refaire des omelettes de ouf, dit tri. J'ai truc à ranger là. La bouffe se remplit toute seule avec les bâtiments de luxe, ouais. Pas besoin de toi-même mettre la bouffe ici. C'est assez garanti, on va dire. Ça m'emmerde, ça. C'est quoi, c'est un grand lait de chèvre? Oh, vas-y, je vais jeter le bait. M'a saoulé. On peut faire le gâteau au chocolat. Ok. Je l'ai pas mis sur la canne à pêche. Oh, c'est pas grave, j'en rachetais plein aujourd'hui. On va vendre les laines, on va vendre les pattes de lapin. Alors, tri. Ça en garde, c'est pour le musée. Ça en garde, c'est pour le musée. Ça en garde, c'est pour le musée. Tout ça, c'est pour le musée. Je crois que j'ai un autre truc pour le musée encore. Il me semblait que j'avais pas que ça. Bon, ça, c'est pour faire du machin. Ça, c'est à ranger. Ça, je sais pas comment faire. Ça, c'est à ouvrir. Ça, c'est à ouvrir. Ça, c'est de la bouffe. Ça, c'est du charbon pour pouvoir faire nos bordels. Hein. Ça, faut ranger. Et globalement, je vais ranger ma bouffe. Ça se range pas là, ça. Ça, ça se range ici. Ok. J'ai un grand lait de chèvre à vendre aussi. Le tesson au musée, le chat va être content. Mais non, mais le tesson, ça a l'air trop bien. Mais... Je suis désolé, mais... Faut le filer au musée au moins une fois, quoi. Faut le filer au musée au moins une fois, quoi. Même si à tout moment, c'est insane. Après, en une descente dans les mines niveau 100, on a droppé deux tessons. Donc bon. Au revoir, Gunther.
caisson prismatique pour se marier en coop. Ah ouais? Putain, mais c'est ultra rare. Il faut ça pour se marier en coop, quoi. Oh, nouvelle récompense. Ah, je le donne, hein. Bah les couilles, hein. On a eu un squelette de paresseux. Super. On est lundi 15, donc le 17, à 17h sur la plage, marché nocturne. Enfin, je crois que c'est sur la plage. Oui, c'est sur la plage, apparemment. Wouah ! Mais what ? Silhouette mystérieuse, je peux vous renvoyer chez vous pour 250 PO. C'est craqué, ça. Reviens quand le marché sera ouvert si tu veux acheter une de mes œuvres. Ouvre à 17h. C'est craqué. On dirait les mecs en robe dans The Messenger, c'est clairement ça. Hein. Putain, ça a l'air trop bien le marché nocturne. Attends, mais ça m'a enlevé mes paniers à crabes. Mais ils sont où? Ça m'a enlevé un putain de panier à crabes. Mes 4 paniers, là. Ils me les ont mis dans des coffres ou quoi? Putain, j'aurais dû rentrer chez moi pour 250 PO, là. Ouais, le chien, je sais pas ce qu'il a. Hein. Je l'ai emmené dehors 10 minutes. Il est fou. Ils me les ont volés, les bâtards. Je crois que je me suis fait chier, mais... Ouais, de la tension, il en a eu, du coup. Putain, mes paniers à crabes, là. J'ai 50 000 géodes à ouvrir, en fait. Après, les géodes omni au désert, ça sert. Hein. Faut mieux les garder. On peut en ouvrir genre 4. On peut en ouvrir genre 1, en fait. J'en ouvre 4. Un minerai d'iridium. En vrai, c'est cool. Hein. Ouais, mais tout le reste, on l'a déjà, en fait. L'arrosoir d'iridium, la hache d'iridium. En fait, là, techniquement, je devrais mieux me faire le... cela avant la hache. On n'a pas tellement besoin de bois. Après une telle journée à la mine, trop difficile. Attends. On va quand même aller dans le désert juste pour aller chercher, aller changer nos omnigéodes. Ça automatise tout, plus besoin d'arrosoir. Mais tu sais ça, t'as toujours des moments où tu peux tout d'un coup avoir besoin. Toujours la même chiasse, putain. Ah, mais il est pas là parce qu'il est fermé jusqu'au 18 pour le marché nocturne de Pélicanville. Quel débile, putain, je viens de perdre 500, quoi. La poubelle en iridium.
Bon, l'iridium, ça met vraiment 15 ans à se faire, quoi. Prenons une centaine de bait. Il y avait une touche pour faire ça, je pense. À mettre sur la canne à pêche. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à foutre? Finalement, qu'est-ce que j'ai d'autre à foutre que d'aller au marché de Noël, quoi? Le mystérieux qui dépose une coquille arc-en-ciel. Et pas ma soif. Putain, mais on a réglé tellement de quêtes aujourd'hui. Balance-moi mon iridium, quoi. Oh oui. Oh yeah. Alors j'en ai combien? J'ai 9 barres. Ah ouais, mais en vrai on est craqué en iridium là. On va aller faire quoi, l'arrosoir ou la bêche? Plutôt la bêche en fait. En premier la bêche, puis l'arrosoir. Tous les appâts sur la canne à pêche pour les paniers à crabes. Mais pour l'instant les paniers à crabes ils me les ont virés. La houppe. Ah mais ça veut dire plus de vers de terre pendant 3 jours ça. Enfin pendant 2 jours. Mais bon. Worse. T'auras les thunes pour les graines? Oui, des thunes on va en refaire. C'est pas un souci. Des thunes on va largement en refaire pendant le mois là. Arrêt de bus. J'ai combien de piles? 3. Ah ouais, les piles, c'est un peu limitant en vrai. Hein. C'est les piles le limitant. Trop chiant. 3 arroseurs en iridium plus les 2 que j'ai, ça fait déjà beaucoup de trucs. Mais je suis limité par les piles, quoi. Je suis vénère. Autrement qu'avec la foudre, je sais pas. Peut-être, mais je veux pas savoir. J'aime bien découvrir les choses dans ce jeu. C'est un vrai plaisir. Du coup, il est 3h du mat parce qu'on a fait... Putain, je voulais pas me coucher à 3h du... On a tellement opti. D'ailleurs, quelle erreur, ça. Je trouve un meilleur endroit pour ça. Que là, il y en a plein, pourquoi pas. Mais l'arbre, faut qu'il reste accessible. Marché nocturne est maintenant ouvert. Putain, go marché nocturne direct. On va recentrer un peu là-bas. On est à combien d'iridium? C'est pas là. On a 11 d'iridium, plus il y en a encore en train de cuire. Donc ça permettrait de faire la hache et l'arrosoir. Plus il y en a encore qui arrivent là, il me semble. Ah, quoique non, pas du tout. Je sais plus. Mais du coup, on est full outil. Sauf la poubelle, mais on s'en branle un peu. Et on peut continuer à faire des arroseurs. Sauf que les arroseurs, on est limité par les piles. Et en plus de ça, maintenant, on peut aller facilement au Skull Cavern. On connaît la méta pour aller chercher de l'iridium. Bref. Où est mon cheval?
Oh non. J'ai perdu mon cheval. C'est parti pour le marché nocturne, on va aller découvrir ça, voir ce que ça fait. Et j'ai hâte. Ce qui paraît, c'est cool. Ouais, la poubelle, quand tu l'améliores, en fait, ça te permet de... En fait, quand tu jettes des objets, tu gagnes un pourcentage du prix de vente de l'objet. Donc j'imagine qu'une poubelle en iridium, à la limite, c'est comme un truc de vente à distance, quoi. Sinon, je vois pas l'intérêt. Alors, vas-y, qu'est-ce qu'on a? Je pense que ce bateau est mon préféré, il est tellement unique. Grande canne verte, un objet décoratif pour votre ferme. Bien le bonjour, tu veux une tasse de café? Ah oui. Oh, café gratuit. Vous avez reçu café. Ça sent bon, n'est-ce pas? Bonjour. Oh, vous voulez faire un tour de pêche en eau profonde? Ça vous coûtera 1000 PO. Oh oui. Oh oui. Mais alors, pas tout de suite. Tellement mystérieux, j'adore. Tu sens cette odeur, l'air ici épicé par ici? J'ai rendez-vous chez le médecin demain, peut-être que le spectacle de la sirène me calmera les nerfs, mais que se passera-t-il si elle pense que je suis en train de les reluquer? Quoi? Petit pain étrange. Grosse quantité de lait. En vrai, il y a un moment, je l'achète, lui. Lui, ça m'a saoulé, je l'achète. Sèbre, peintre Lupini, je vends cette toile pour 1200 PO, qu'en dis-tu? On va bien te faire foutre. Ça vend des trucs, là. Je les ai, ceux-là. Graines de zinnia. Graines de chou frisé, bulbes de tulipes, pommes de terre, chou-fleur. On aurait pu faire des trucs pour la serre, ici. Incroyable. C'est pas un marchand, ça? Bah. Ah. C'est Zelda, quoi. Merde, le temps passe. Pardon ? Ça a l'air d'être de la grosse brasse. Au niveau vendeur, dommage. Cheminée en iridium peut se mettre à l'intérieur de votre maison. Après, il y a de la pêche. Moi, j'aime la pêche. On est en train de descendre. Allez vite, je veux pêcher des poissons qu'on peut pêcher d'ici. Ah, j'ai pas pris le bobber, j'aurais dû prendre un bobber. Enfin, c'est vraiment le meilleur jeu, quoi. Oh, il y a des bulles.
Je suis jamais venu pêcher ici. Bob Ross n'est jamais venu pêcher dans son entraînement ici. Le blobfish. Oh. C'est rare loot le premier soir, je me la coupe. J'ai rare loot. Le blobfish, c'est rare. Y'a que des algues, quoi. J'ai rare loot au premier poisson. Quel plaisir. Le calmar de minuit. Pêcher, ça. Oh, c'est bien, il y en a plein. Le poisson espion. Calmar de minuit, poisson espion, blobfish. J'ai l'impression qu'ils sont tous là. Hein. Comme par hasard, les trois derniers. Il y en aurait bien deux en plus. On voit un truc derrière. Tous les poissons à casquette? Non, il manque celui de Spring 1. Enfin, en gros, Spring 1, on n'a pas pêché le premier poisson légendaire. Oh. J'aille là. Ce bateau est disponible pendant le marché de nuit, pendant l'hiver, donc clairement une fois par an quoi. Ah, donc là pendant les 3 jours faut venir à 17h, tu viens ici à la pêche, tu checkes vite fait les magasins, tu viens à la pêche direct. Mais attends, quand je lui parle à lui... Ah, faut que je fasse ça. Parce que quand je lui parle, il me semble que ça compte. Ouais. Oh merde, si ça prend une heure de remonter. Oh putain, ça prend du temps. J'en ai marre de jouer avec le feu, vite. Il me remet là. Oh, quel jeu de con. Putain. Nice. Bon, ben on s'arrête là. C'était vraiment une grosse session, quoi.